Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de numération. Aujourd'hui, nous allons aborder les fractions décimales et aussi les nombres décimaux, le passage de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale. Nous allons voir aussi comment on va comparer des nombres décimaux entre eux. Une fraction dont le dénominateur est égal à 10, à 100, à 1000 ou à tout autre multiple de 10 est appelée une fraction décimale. Cette fraction se lit 1 dixième. Celle-ci se lit 1 centième. Et cette dernière se lit 1 millième. Quand l'unité est partagée en 10 parts égales, chaque part correspond à 1 dixième de l'unité. Nous voyons l'unité ici est représentée par l'espace qu'il y a entre le 0 et le 1. Nous voyons qu'elle est divisée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 parts égales. La partie représentée en bleu sur l'exemple correspond à 6 dixièmes. Quand l'unité est partagée en 100 parts égales, chaque part correspond à 1 centième de l'unité. Comme sur la droite graduée ci-dessous, l'espace entre le 0 et le 1 est divisé en 100 parts égales. Et la partie représentée dans l'exemple en bleu correspond à 93 centièmes. On peut écrire une fraction décimale sous une autre forme, sous la forme d'un nombre à virgule. C'est ce qu'on appelle un nombre décimal. Pour cela, nous utiliserons un tableau de numération. Nous connaissons le tableau de numération pour les nombres entiers, avec les unités, les dizaines, les centaines, et ça réparti dans plusieurs classes, la classe des unités, la classe des milliers, la classe des millions et la classe des milliards. Pour cette explication, je ne vais prendre que les unités et dizaines de la classe des unités, ce qui constitue la partie entière. À cette partie entière, nous rajouterons une autre partie du tableau qui sera la partie décimale. Dans la partie décimale, nous avons les dixièmes, les centièmes, mais aussi les millièmes, les dix millièmes, etc. Donc ce tableau n'est pas figé en dixièmes et centièmes. Ça peut aller à l'infini. Au niveau CM1, nous n'allons pas aller plus loin que le millième. Cette barre rouge qui s'affiche maintenant correspond à l'endroit précis où je devrais mettre ma virgule. Nous allons maintenant essayer de placer les fractions décimales suivantes, 12 dixièmes, 128 centièmes dans le tableau de numération afin d'obtenir un nombre décimal. Nous avons donc placé à partir de la colonne des dixièmes, de la droite vers la gauche,
les 12/10. L'écriture décimale de 12/10 sera donc 1,2. Je viens maintenant de placer 128 centièmes dans mon tableau de numération. Donc, j'ai placé le nombre à partir de la colonne des centièmes en partant de la droite vers la gauche. L'écriture décimale de 128 centièmes est donc 1,28. Pour comparer des nombres décimaux, on compare d'abord la partie entière. Par exemple, 16,4 et 15,42. Voyons que le 16 est plus grand que le 15, donc c'est-à-dire les parties entières, je n'ai nul besoin d'aller voir la partie décimale. Je sais donc que 16,4 est plus grand que 15,42. Si deux nombres décimaux ont la même partie entière, on va donc comparer la partie décimale, en commençant par les dixièmes, puis les centièmes, etc. Comparons ces deux nombres décimaux, 16,42 et 16,04. Dans les deux nombres, la partie entière est 16. Elle est donc identique. Nous allons donc comparer les dixièmes. Dans le premier nombre, il y a 4 dixièmes, dans le second, il y a 0 dixième. 4 étant plus grand que 0, je peux maintenant dire que 16,42 est bien plus grand que 16,04. Un autre exemple. Comparons les nombres décimaux 16,49 et 16,42. On constate que la partie des entiers est identique, ainsi que la partie des dixièmes. Nous allons donc comparer les centièmes. Dans le premier nombre décimal, il y a 9 centièmes. Dans le second, il y a 2 centièmes. 9 étant plus grand que 2, nous pouvons dire que 16,49 est bien plus grand que 16,42. Mais attention, la partie décimale la plus longue n'est pas forcément la plus grande. Observons cet exemple. 0,25 est plus petit que 0,5. Certains me diront que c'est impossible, que cet exemple n'est pas juste. Comment 25 est-il plus petit que 5? Il est plus grand. Appliquons donc la règle que nous avons vue précédemment. Comparons la partie des entiers en premier. Dans le premier nombre, la partie des entiers, c'est 0. Dans le second, la partie des entiers est 0 également. Donc, nous allons comparer la partie des dixièmes. Dans le premier nombre, nous avons 2 dixièmes. Dans le deuxième, nous avons 5 dixièmes. 2 dixièmes est effectivement plus petit que 5 dixièmes. Dans le second nombre, en réalité, il y a 0 centième. 0,5 égale 0,50 égale 0,500. Au fait, dans les nombres décimaux, je peux rajouter des zéros à l'infini sans changer la valeur de mon nombre. Observons maintenant, sur une demi-droite graduée, si l'exemple correspond à la réalité.
Je vais d'abord placer mes 5 dixièmes. 1, 2, 3, 4 et 5 dixièmes. Je vais ensuite placer mes 25 centièmes, 10 centièmes, 20 centièmes, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant que mes deux nombres décimaux sont placés sur ma demi-droite graduée, bien, je peux voir clairement que 0,25 est effectivement plus petit que 0,5. Nous pouvons aussi utiliser le tableau de numération. Nous allons y placer les deux nombres. 0,25 et 0,5. Je peux ajouter un 0 dans la case des centièmes. Ainsi, mon 0,5 devient 0,50, ce qui est plus facile à comparer avec 0,25. Après observation de notre tableau de numération, nous remarquons également que 0,25 est bien plus petit que 0,5. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la petite cloche des notifications afin d'être informé en temps réel des nouveautés sur votre chaîne. Et bien sûr, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt et portez-vous bien.